Bonjour à tous, ici Baloku James. On se retrouve aujourd'hui pour un mini-guide sur le mortier léger dans Rising Storm, donc une des deux nouvelles classes introduites avec cette extension. À savoir, donc, je suis sur la map Iwo Jima en mode réalisme. Et donc, je vous explique la classe rapidement. Donc, on n'a pas beaucoup de choix en armes. On a le fusil Arisaka de l'armée régulière avec des grenades à main et donc bien sûr le mortier. Donc c'est voilà, ça fait un peu penser au lance-patate d'Insurgency pour ceux qui ont joué à ce jeu. Et donc cette classe est donc bien sûr une classe de soutien, le but étant également un petit peu comme le machine gunner de trouver la position idéale, sachant que vous avez donc sur le mortier léger deux types de systèmes de visée. Donc le tir direct, ce que je suis en train de faire là, voilà, c'est du tir au jugé, hein, mais ça permet d'avoir une cible voilà, assez proche. Et sinon avec la molette comme avec les fusils, on a la hausse, donc qui nous permet de viser beaucoup plus loin. Donc vous voyez, on a là par contre on va avoir un petit guide qui va nous dire où va atterrir l'obus. Je vais essayer de faire un kill par exemple là, les deux là-bas. Ils sont trop loin, je crois. Alors hop. Alors c'est assez marrant à jouer parce que du coup il n'y avait pas ça avant sur Rising Storm, sur Red Orchestra, pardon. Oh 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 oh! Oh! Je l'ai touché, mais il a de la chance, je l'ai pas tué. Très résistant ce bonhomme, hein. Vous remarquerez que le lobby prend du temps à tomber, hein. Là il vient juste de tomber seulement. Voilà, là j'ai fait un kill, 158 mètres. Je vois qu'ils vont pas mal par cet endroit là, donc je vais couvrir ça. Je vais pilonner un peu. Oh putain. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur cette classe, hein, hormis que le mieux étant d'avoir une position assez élevée pour pouvoir voir où on tape. Également d'être proche d'une de caisse à munitions. Parce que ça va assez vite quand même. Hein, on a que 6 obus dont un chargé, donc on a à peine quelques minutes, on a fait le tour quoi, on a vidé les stocks quoi. Alors. Par contre effectivement, ça demande à avoir quand même hop là. À bien calculer ses coups quoi, savoir quand ce que l'obus va tomber pour qu'il tombe au bon moment quoi. Alors là je viens de repérer. Je vais vous montrer ça. Je viens de repérer un machine gunner américain et normalement voilà, en plein dedans. Alors j'ai pas fait le kill malheureusement. Alors c'est la première fois d'ailleurs que je joue japonais sur cette map. Et là, c'est là que je me rends compte qu'en fait c'est très facile pour eux de viser du côté de la plage. Hein. C'est vraiment... je comprends mieux le pourquoi du comment. Alors je n'ai plus d'obus. Alors les caisses à munitions, voilà, vous avez le symbole ici, hein, sur le HUD, là, la caisse ici, donc vous avez un petit peu tout. Hop. C'est d'en spotter d'autres. Passer en... Voilà. En tir direct, vous voyez, c'est quand même assez dur à viser. Hein. C'est vraiment...
extrêmement dur d'évaluer la distance, comment l'obus va atterrir. Là dans le creux, là il y a du monde, voilà j'en ai eu un autre. Derrière le bâtiment, voilà, je l'ai eu. N'oublions pas qu'elle fusille aussi, hein, parce que c'est là que je remarque effectivement que c'est un truc de fou. Hein. C'est vrai que les Japonais ont une super visibilité sur les troupes américaines. Je vais aller récupérer des munitions. Alors c'est vrai que c'est dommage un peu. J'aurais pensé que le mortier avait avait droit à une espèce de mini-map comme le commandant. Hein. Je ferai une vidéo sur le commandant pour savoir où il tape, mais non, c'est pas le cas. Bon, c'est vrai que c'est suffisant quand même. Hein. Ça, sinon, ça serait trop. Ce serait un petit peu abusé si s'ils avaient une mini-map et qu'ils pourraient du coup faire des tirs. Sans être visible de l'ennemi, ça serait du coup trop puissant pour les Japonais quoi. Alors, les Américains qui sont là-bas juste derrière le bâtiment. Boum! Vous savez quoi, on va essayer de faire un tir direct. Je vais m'approcher, je vais essayer de faire un tir direct sur un requin pour le fun. Ah et merde. Bon tant pis, voilà, bon bah j'ai pas d'autre chose à dire. Vous avez vu comment ça fonctionnait hein, les deux systèmes de visée. C'est vraiment, notamment donc sur Iwo Jima, c'est très facile pour cette classe puisque voilà, on a une superbe vue et on voit très bien là où l'obus va atterrir. Ce qui est pas le cas de toutes les maps hein. Attention, sur certaines maps comme Guadalcanal c'est compliqué, on est plus souvent en tir direct hein, voilà. Donc je vous dis à très bientôt, donc la prochaine vidéo sera sûrement sur le lance-flamme et je ferai le commandant ensuite. Je vous dis à la prochaine, salut à tous. Oh putain! Oh putain! Un bandit en bas! Ah c'est comme ça. Ah, why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get